Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Quilly, qui était donc un critérium le samedi soir. Mais contrairement au critérium qu'on a l'habitude de voir, c'était un critérium vraiment dans la campagne, il n'y avait pas beaucoup de virages, c'était un circuit de 3 km. Nous étions environ une soixantaine, 70 au départ, et il y avait quand même du gros niveau avec de belles têtes de liste. Il faut savoir que l'année dernière j'ai fait 8ème de cette course, j'avais fait premier du groupe de contre en gros, donc c'était pas trop mal. Alors autant vous dire que j'étais plutôt motivé pour faire un petit peu la même chose aujourd'hui, mais vous allez voir que ça va être un peu plus compliqué que l'année dernière, malgré que mes jambes étaient vraiment présentes. Contrairement aux autres courses, il y a eu un petit changement, c'est que j'ai changé de chaussures entre temps. A partir d'aujourd'hui, je porte les DMT KR1. Je vous en reparlerai plus dans de prochaines vidéos, tout simplement parce que c'est DMT qui me les a envoyées. J'ai donc d'ailleurs un code promo, donc si vous voulez acheter des chaussures, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous mets le code promo, c'est un code promo assez intéressant. Donc si vous êtes intéressé par des chaussures, n'hésitez pas. Mais en tout cas, si vous voulez que je vous en parle un peu plus en détail, attendez les prochaines vidéos, j'en parlerai un peu plus. Durant cette course, du coup, ça va partir très vite. Je vais tenter de sortir plusieurs fois. J'ai pas beaucoup d'images, tout simplement parce que les GoPro se sont pas vraiment allumés au début, je les ai rallumés en fin de course. Mais du coup, ça a attaqué beaucoup, on est sorti de nombreuses fois. Il faut savoir que sur la ligne de départ, il y avait Ruben, c'est un gars qui vient de Nouvelle-Zélande. Et depuis qu'il est arrivé, il a fait 6 courses en 2 semaines, et autant vous dire qu'il en a gagné 3, donc autant vous dire qu'il me fait peur. Franchement, c'était lui que je m'étais favori au départ, et vous verrez que je m'étais pas vraiment trompé. Et du coup, on va réussir à prendre plusieurs échappées, malheureusement, aucune ne va aboutir. Et au bout d'un moment, un tout petit groupe va réussir à partir. Malheureusement, à ce moment-là, j'étais pas hyper bien placé. En plus de ça, je vais attaquer après un virage, et ma chaîne va sauter. Je manque même d'aller dans le fossé parce que ma chaîne a complètement sauté. Et du coup mon genou a tapé dans le guidon, mon guidon s'est tourné un peu et j'ai totalement passé de gauche à droite de la route. Alors autant vous dire que je me suis fait un petit peu peur. Du coup j'ai un petit peu perdu de temps et j'ai pas pu y aller directement quand l'échappée est partie. Malheureusement je sais pas si j'aurais réussi à revenir, mais en tout cas ça m'a vraiment pas aidé. Et en tout cas après on n'est jamais revenu. Je suis parti plusieurs fois d'ailleurs, on a quasi revenu un moment, mais on n'est pas réussi à faire la jonction. Ruben, lui, pendant ce temps-là, il a fait je ne sais combien de tours tout seul. Et moi, durant tout le reste de la course, en fait, j'étais vraiment très en jambes. En plus, j'avais mes nouvelles chaussures DMT. Et faut dire que j'avais quand même une bonne sensation avec. On a vraiment une sensation de puissance qu'on appuie sur les pédales en restant assis, par exemple. Et autant vous dire qu'à la bosse de l'arrivée, à quasi chaque tour vers la fin de la course, je me mettais devant le peloton et j'attaquais tout en restant assis, un petit peu comme Chris Froome pourrait faire. Et j'arrivais tout le temps à sortir comme ça. Sauf que malheureusement, de l'autre côté, il y avait beaucoup de vent et c'était assez compliqué de rester tout seul. Du coup, je vais partir de très, très nombreux fois, mais jamais j'arriverai à faire plus de 3-4 tours tout seul. Il faut savoir qu'il y a même des fois où je suis parti avec un gars, je le perdais sur la route, il y en a un autre qui revenait sur moi, on faisait encore un tour à deux, il sautait, un autre revenait sur moi, on faisait un tour à deux. Donc comme vous avez compris, j'ai fait vraiment énormément d'efforts durant cette course. Je suis beaucoup parti à l'avant, j'ai fait je sais pas combien de tours tout seul devant ou à plusieurs. Mais malheureusement, aucune fois je vais réussir à boucher l'écart avec l'échappée, malheureusement. Et du coup, ça va continuer comme ça. Le peloton était vraiment petit à la fin. Et du coup, à chaque fois que je partais, il y avait toujours quelqu'un pour ramener. Et du coup, c'était vraiment pas pratique. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est toujours aussi important. Aujourd'hui, je vous mets le défi de 700 likes. En ce moment, je vois qu'il y a un petit peu moins de vues, un petit peu moins de likes. J'imagine que vous êtes tous partis en vacances. Donc on va dire qu'à partir de 700 likes, le défi est réussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, des critériums. Que pensez-vous de ce genre de course? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez pas ça? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça peut être assez intéressant à voir. Ça peut être intéressant de voir un petit peu vos avis à vous. Et comme vous pouvez voir à la cloche, il y en a un, il se tourne vers moi et il me dit « Vas-y, t'es fort, vas-y !» Et ça, c'était en haut de la botte. Du coup, à ce moment-là, on avait fait un petit trou et j'étais plutôt bien lancé. Du coup, j'ai dit « Vas-y, je continue. » Je continue, j'ai fait quasi un demi-tour tout seul. Puis, je me suis fait reprendre par Lilian. Avec Lilian, du coup, on a fait un petit bout ensemble. Et on s'est fait reprendre par le peloton, malheureusement. Et là, Lilian va remettre une petite attaque. Pas forcément un gros truc, mais juste un petit truc. Et moi, je vais pas y aller, tout simplement, parce que c'était le dernier tour et je voulais pas retourner. J'aurais dû, malheureusement. Mais du coup, j'ai fait une cassure. Lui, du coup, se retrouve à partir tout seul, il restait à peu près un demi-tour à faire. Je vous le dis tout de suite, il va aller au bout. Donc voilà, j'aurais dû y aller. Et en plus, c'est grâce à ma cassure qu'il va au bout, donc tant mieux pour lui. Mais malheureusement, moi du coup, je suis toujours dans le peloton et la course continue et je voulais quand même faire une bonne place. J'avais fait énormément d'efforts durant cette course. On se battait pour un top 10 si je me trompe pas. Il y en avait une dizaine devant quoi. Donc j'étais vraiment très motivé pour quand même faire le sprint, essayer de faire une bonne place. Et comme vous pouvez voir, je vais tenter de faire le kilomètre. Je tente de partir au kilomètre, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ils se sont tous mis dans ma roue, ils avaient bien compris que j'étais fort aujourd'hui. Et du coup, je vais attendre le sprint. On peut voir qu'il y a quelqu'un qui nous le lance parfaitement. Il se met à bloc devant le peloton. Je me suis mis dans sa roue. Malheureusement, il va s'écarter un petit peu tôt. Du coup, voilà, fallait que je lance mon sprint comme j'ai pu. J'ai donc sprinté assez tôt. Mais comme vous voyez, on a été très nombreux à sprinter très tôt. Le sprint était donc vraiment très long. Et au final, j'arrive sur la ligne 16e. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu. J'aurais bien aimé rentrer dans le top 15. Malheureusement, du coup, j'y arrive aux portes. Je fais 16e. Après, comme vous avez vu, j'ai fait énormément d'efforts.
efforts, ça m'a servi d'entraînement pour les courses à venir. L'objectif principal dorénavant c'est la semaine en Belgique, je vais faire 3 ou 4 courses là-bas donc j'espère vraiment réussir à faire des places. Donc tout ce qui n'est pas pris ici sera pris là-bas. Et pour le moment j'essaye vraiment de faire des efforts le plus long possible, essayer de m'entraîner un maximum quand je loupe les bonnes par exemple. J'essaye vraiment de profiter un maximum de ce que je peux avoir. Et comme vous avez compris aujourd'hui j'ai quand même fait énormément d'efforts. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.